Somebody ran away, saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands. Bonjour à toutes et à tous, c'est ThePierre51. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo intitulée La création de janvier, ou aussi comme j'avais nommé un nouveau nom, le Let's Build épisode donc numéro 4. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, je vous le dis tout de suite, j'ai fait un petit problème au montage. J'ai oublié la création des murs de la maison. Donc en fait je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que va être cette création. Donc cette création va être sur un temple japonais avec un esprit on va dire zen, voilà, zen japonais. J'espère que ça va vous plaire et on commence donc dès maintenant. Donc là en fait j'ai déjà en fait placé les pièces etc. Donc en fait il y a deux chambres dans cette maison. Et bon là malheureusement vous n'avez pas pu voir l'aménagement des murs, comment j'ai créé les murs etc. Mais la hauteur des murs je l'ai mis en basse. Et là en fait je suis en train de mettre des couleurs dans le salon etc. Donc je vais mettre, alors au début je savais pas trop quoi mettre, puis après je me suis dit on va mettre quand même du assez moderne, parce que faut pas non plus faire un truc, c'est pas parce que c'est un temple que c'est totalement tout vieux. Donc là je suis en train de mettre le parquet, voilà, et je place dans ensuite le sol de la salle de bain, etc etc. Je mettrai ce temple, enfin cette création plutôt, sur la galerie des Sims 4 que vous pourrez trouver sous mon origin ID Ben4813. Donc cette création, alors j'ai joué un peu après dans cette maison pour voir comment ça faisait. Et c'est pas mal, vraiment c'est pas mal du tout. Cette maison contient des objets téléchargés, ça veut dire elle contient pas mal d'objets téléchargés. Elle contient énormément d'objets concernant le jardin et aussi sur le salon et sur l'entrée. Après les chambres, à part la chambre des parents, parce qu'il y a, deux chambres dans cette maison, à part la chambre des parents qui contient un lit téléchargé et des trois bricoles, le reste ce ne sont pas des objets téléchargés. Mais je vous promets que je ferai des créations sans objets téléchargés, parce qu'il y a quand même pas mal d'objets dans les Sims 4 pour s'amuser. Et on n'a pas tout le temps besoin d'objets téléchargés, mais là j'avais envie, parce que pour avoir des objets on va dire assez japonais, zen, temple, voilà, enfin dans ce thème là, il faut malheureusement télécharger des objets. Donc tous ces objets viennent du site The Sims Resources, donc ça sera très simple, je vous mettrai le lien de quelques objets dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc là je suis en train d'aménager la cuisine, qui est quand même, vous voyez, assez grande. Honnêtement c'est une très très grande cuisine, comme ça on a énormément de place. Et aussi il faut occuper toute la place de cette maison, parce que cette maison est quand même assez grande, c'est le cas de dire. Concernant les fenêtres, alors au début vous voyez j'ai fait des sortes d'ouvertures, parce qu'en fait après ça va par rapport à des objets téléchargés, j'ai trouvé des sortes de rideaux qui ont un effet flottant en fait, c'est à dire que genre ça vole en fait. Et mais au final ça n'a pas marché, donc les fenêtres ne vont pas être comme ça au final bien sûr. J'ai créé au fait des voûtes qui vont de sorte d'entrée en forme de voûte qui vont de l'entrée au salon salle à manger. Et là je suis en train de placer le salon et la salle à manger. Donc vous voyez là voilà je remets les comment on appelle ça, fenêtres comme il faut. Et j'ai aussi placé des sortes de poutres que je trouve quand même assez jolies. Honnêtement elles sont pas mal. Et je place des portes parce qu'on pourra accéder au jardin. Et c'est ce qu'il faut absolument. Donc là en fait à l'heure actuelle sur les images c'est fait avec mon ancien PC, mais le commentary est fait avec mon nouveau PC, ce qui fait qu'il y a un petit peu de décalage par exemple sur l'intro d'habitude, puisque je suis partenaire avec le Direct Sims, je devrais mettre l'intro du Direct Sims. Sauf que le problème c'est que je n'ai tout simplement à l'heure où j'avais fait cette vidéo, je n'étais pas encore partenaire avec le Direct Sims. Donc malheureusement il manque quelques petites choses. En fait je voulais vous demander si pour la création de février, je n'ai pas vraiment d'idées en fait, parce que je ne sais tout simplement pas quoi faire. Si vous avez des idées, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est vraiment super important, parce que je ne trouve absolument rien. En tout cas pour la création de mars j'ai trouvé, parce qu'en fait vous voyez je fais en fonction des mois et des événements. Donc pour la création de mars j'ai trouvé, bon je vais pas vous le dire parce que sinon il n'y a plus de surprise.
Mais pour la création de février, je ne sais tout simplement pas quoi mettre. Enfin, pas quoi mettre, pas quoi faire. Donc là, je place la salle à manger, donc qui possède énormément d'objets téléchargés, comme les plantes, les tableaux, on va dire, avec des cailloux, ça et tout, qui font quand même assez zen, et sont vraiment magnifiques. Je vous conseille absolument de les télécharger, ils sont sur The Sims Ressources. Je crois que ça s'appelle Asian Painting, les tableaux. Et puis voilà. Normalement, vous verrez cette vidéo en 720p, alors je suis désolé si elle n'est pas en 1080p, parce que tout simplement elle est faite avec mon ancien PC, donc j'ai pas pu fournir 1080p. Donc là, je suis en train de placer encore un peu, voilà, tout ce qui est éclairage. Au début, comme vous avez pu voir, j'en ai vraiment trop mis dans la salle de bain. Pas dans la salle de bain, mon dieu. Dans la cuisine, je veux dire. Dans la salle de bain, j'ai même pas encore ménagé. Dans la cuisine, j'en ai trop mis, ça veut dire qu'à la fin, je vais en enlever tout simplement parce qu'il y en a trop. J'ai changé le meuble où il y avait pas mal de petits objets par une cheminée assez design, elle aussi téléchargée, que je trouve quand même vachement belle. Et après, on va attaquer l'aménagement du salon, donc pas de télé au mur, même si on peut, j'ai pas décidé d'en mettre une. J'ai énormément galéré pour le placement du salon, ça a été une catastrophe, c'était vraiment horrible. Vraiment... J'ai dit comment je plaçais les meubles. Pourtant en plus quand on regarde c'est assez facile en plus. Je vais mettre le canapé par ici, je vais mettre le meuble par là. Mais je sais pas pourquoi, c'est un peu compliqué. Sachant que j'ai utilisé des canapés téléchargés. Ce qui a fait qu'en fait j'avais téléchargé des canapés que je trouvais beaux, mais qui n'allaient pas du tout avec comment expliquer ça? Avec la maison, ce qui était un peu le bordel. Donc là, je suis en train de regarder voilà, différents canapés, comment je place les meubles, c'est un petit peu le bordel. Et après, ben, à la fin, bien sûr, je vais arriver à passer correctement. Mais ça va être un petit peu compliqué quand même, c'est vachement turc au début. J'ai pas très très bien réussi, c'était un peu de la merde. Aussi, j'avais dit sur ma vidéo de présentation des nouveautés de ma chaîne, parce que j'en profite pour le dire dans cette vidéo-là, que je ferai un deuxième kit de téléchargement. Donc le problème c'est que il sera peut-être pas en janvier, il sortira peut-être en février, parce que en fait le problème c'est que j'ai énormément de cours, parce que je me tape jusqu'à 6 évaluations par semaine. Enfin c'est contrôle, interro surprise, c'est tout simplement le bordel, je n'en peux plus, je suis fatigué. Je l'avais dit sur ma page Facebook que niveau vidéo, vraiment, je peux faire des vidéos que quand vraiment j'ai le temps. Là encore, à l'heure où je fais le commentaire de cette vidéo, j'ai de l'espagnol à faire. L'espagnol, je déteste ça, c'est vraiment horrible. Je n'aime pas cette langue tout simplement, même si au mois de mars, je pars en Espagne pour un voyage scolaire. Et j'avais pensé, voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo, j'avais pensé à peut-être faire un vlog sur mon voyage en Espagne avec plein de petites photos, des petits montages et tout, si ça peut vous plaire. Le problème de ce vlog c'est que donc je vais montrer on va dire un peu ma vie privée, et je vais peut-être montrer mon visage et tout pour ceux qui ne savent pas à quoi je ressemble. Donc voilà, enfin dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc là je continue à aménager le salon avec vraiment ce tapis qui est juste magnifique, vraiment il est super beau. Il n'est pas téléchargé en plus, c'est ça qui est bien, donc ça veut dire que vous pourrez le retrouver dans votre jeu si vous téléchargez cette vidéo. Je place ensuite un bureau avec un ordinateur, une chaise. Et comme vous avez pu voir pendant que je vous parlais d'autre chose, j'ai placé différentes décorations. Donc là j'avais un petit peu où mettre la sorte de bibliothèque, mais au final j'ai trouvé. Donc là j'aménage l'entrée, donc avec porte-manteau, tapis, voilà. J'ai mis un petit canapé aussi pour faire joli. Parce que en fait j'ai fait l'entrée un petit peu trop grande. C'est un peu le bordel, mais bon c'est pas bien grave. Et ensuite bien sûr je continue à placer les éclairages. Alors au cas où, je fais cette maison dans la ville de Willow Creek, je crois que ça s'appelle comme ça, Willow Creek, je sais pas comment ça se prononce en fait. Mais bon voilà, c'est la ville où il y a les arbres. Mais je promets qu'il faudra que je fasse d'autres créations dans Oasis Spring, parce que je suis jamais allé à Oasis Spring, tout simplement. Je sais même pas à quoi elle ressemble cette ville en fait. Donc, enfin cette ville, ce quartier plutôt. Donc je ferai des créations à Oasis Spring prochainement.
Donc là, je place la chambre des parents, donc chambre des parents qui est très grande avec des tons rosé, marron, gris et bien sûr énormément d'objets, on va dire, de style japonais. Ça veut dire que je place un lit téléchargé, des commodes téléchargées, enfin non, pas commodes, je veux dire, table de nuit téléchargée, plante téléchargée, voilà, siège téléchargé aussi. Voilà, cette chambre possède énormément d'objets téléchargés, comme je vous ai dit précédemment, mais vraiment, je la trouve quand même assez jolie, même si elle est un petit peu grande, ce qui a été un petit peu compliqué pour remplir l'espace de cette chambre. Donc je place aussi deux commodes et ensuite je vais placer des tableaux et des fleurs. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après pour la prochaine pièce. Voilà, je vous retrouve parce qu'on a bientôt fini d'aménager cette chambre. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis ces rideaux flottants, ils appellent ça des rideaux flottants, dans la chambre avec des grandes fenêtres pour avoir énormément de luminosité. Je fais encore quelques petits réglages, après je vais placer, je crois, tout ce qui est objet de peinture, etc. pour peindre l'extérieur, par exemple, par la fenêtre. Le problème, c'est que je n'ai pas mis de porte dans la chambre pour aller au jardin. Donc si vous voulez en mettre une, c'est possible, hein, bien sûr. Vous enlevez une fenêtre, vous la remplacez par une porte et puis voilà. Là, on se retrouve maintenant pour la salle de bain. Donc la salle de bain, je vais mettre en fait une baignoire plus une douche, ainsi que, bon, bien sûr, beaucoup de petits objets d'accessoires. Honnêtement, je trouve que cette salle de bain, moi-même qui l'ai créée, n'a pas le style japonais zen que j'avais annoncé. Honnêtement, elle ne ressemble pas énormément. Parce qu'en fait, après avoir fait la vidéo, j'ai trouvé des objets japonais pour une douche. Sachant que avant de faire la vidéo, je ne les avais pas trouvés. Donc la personne qui a dû les mettre sur Disney's Ressources a dû les mettre pendant ma vidéo, je pense. Pendant que je la pesais, en fait. Donc c'est un peu le bordel, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, je place donc la baignoire, les plans de travail, sera le maquillage et compagnie. Et j'ai pas mis de fenêtres, de grosses fenêtres, parce que c'est quand même une douche quand même, c'est un endroit un peu intime. Je sais plus après, mais enfin on va le voir, je sais, mais je crois que j'ai mis des rideaux, mais j'en suis pas sûr sur les fenêtres, mais vous pourrez en mettre bien sûr. Donc là je place encore, voilà, plein de dépôts, plein de tableaux, tableaux qui sont tout simplement magnifiques, je trouve, ils sont vraiment jolis. Ainsi que d'autres petits objets pour la et les éclairages bien sûr. On passe à la dernière pièce de cette maison qui va être donc la chambre, on va dire, plus enfant, même si ça peut être une chambre pour adultes aussi, parce que je savais pas trop quoi faire. Alors voilà, j'ai fait une chambre comme ça, hein, voilà, un peu avec mes goûts à moi. Donc cette chambre a des styles, on va dire, vert, turquoise, gris et un petit peu marron et blanc, parce que le temps est blanc. Donc je fais des objets quand même assez jeunes, honnêtement, même si là aussi ça n'a pas vraiment de rapport avec une maison japonaise ou plutôt zen. Mais voilà, je place des éclairages, etc. Au moment, je ne savais pas quoi faire avec cette nouvelle pièce. Donc voilà, j'ai fait un peu travailler mon imagination. Et voilà en fait le résultat que ça donne. Hey, you know I got to go, why? You want a face to face, face to face. Donc je finis d'aménager la petite chambre et après je vais, voilà, je place encore quelques petits objets comme la radio que j'avais oublié. Et je crois qu'après ça va être tout parce qu'on va passer à l'extérieur. Donc pour l'extérieur je vais mettre, voilà, c'est là que vous allez voir, on va dire, l'extérieur de la maison qui ressemble à, on va dire, un temple. Donc voilà à quoi ça ressemble, j'ai mis
des barrières tout autour, ainsi que des petits... comment est-ce que ça ? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des trucs en fait... Voilà, c'est les trucs qu'il y a au bord en fait, voilà, c'est des sortes de morceaux de mur en fait, qui font tenir en fait le toit de la maison qui est juste au-dessus, donc un toit on va dire. C'est pas un toit normal en fait, il est un peu courbé en fait ce toit. Donc là je place les escaliers pour arriver au jardin et à la rentrée de la maison. Et je place ensuite la peinture extérieure de la maison qui est donc du bois foncé. La partie la plus importante qui va être, ça va être celle-ci qui est vraiment, vraiment, j'ai adoré faire ça. Ça va être en fait un espace détente zen, voilà. Comment expliquer ça? Tout simplement en fait, j'ai mis des objets zen, etc. Vraiment, un petit coin japonais avec de l'eau, des petites fleurs et tout. Voilà, c'est vraiment mignon, c'est vraiment joli quoi. Et j'ai vraiment mis pas mal de temps, mais j'avais vraiment cette idée, je me suis dit autant faire une sorte de maison japonaise dans un style temple, il faut donc absolument faire un petit jardin japonais, et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Alors voilà, je place des petites barrières, et je place sur le sable, parce que une maison, enfin un temple japonais, c'est obligé d'avoir du sable, hein. c'est la logique des choses. Et là je place donc les barrières qui vont nous permettre d'entrer dans le sort de petit jardin japonais. Je place ensuite quelques petits arbres, je vais placer plein de petits arbres, de petites fleurs, de petites pierres, un petit râteau, vous savez qu'on met sur le sable et tout pour rappeler le sable. Voilà, vraiment un espace vraiment super mignon, très très joli, et vraiment même moi j'en suis fier d'avoir fait ça, je suis vraiment super content d'avoir fait ceci. Donc regardez tout ça et vous retrouvez juste après. After happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically. Voilà, je vous retrouve. Donc vous voyez, comme vous voyez sur l'écran, je suis en train de placer plein de petites plantes. Voilà, tout simplement. Des petites plantes, des petites fleurs, des petits arbres bizarres. Même si je compte à la fin, j'en ai un, je prends, je suis pas sûr. Et après je placerai des pierres et des petits sièges. Le problème de ce terrain, c'est que j'ai pris un trop grand terrain. Ça veut dire qu'en fait j'ai fait une maison trop petite. Enfin, si, la maison est quand même d'une très très grande taille. Enfin, c'est une petite maison, mais si elle n'est pas sur deux étages. C'est une jolie maison. Le problème, c'est que le jardin est énormément trop grand, ça veut dire qu'il a fallu occuper l'espace, et là ça a été tout simplement le bordel. Ça a été très 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 compliqué, moi à la fin, que par contre je galère énormément à remplir l'espace manquant, et à faire quand même quelque chose de vraiment assez travaillé. Donc comme vous pouvez voir, je passe une petite de la maison. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors là évidemment je fais de la merde, tout simplement, je fais de la merde. Je sais pas pourquoi j'ai placé des taches noires comme ça, c'est un petit peu bizarre. Peut-être parce qu'en fait je vais faire des variations de couleurs sur le terrain en fait. Et voilà, c'est justement ça, je vais faire des variations de couleurs sur le terrain. Et voilà, donc là je suis en train de placer à l'arrière de la maison. Je savais pas honnêtement quoi mettre. J'allais pas mettre par exemple une terrasse ou une piscine parce que ça ne rentre pas dedans. Je sais pas si j'ai fait une piscine d'ailleurs. Non, j'ai pas fait de piscine parce que au début j'avais essayé, comme vous voyez à un moment, j'ai essayé de faire une piscine, mais c'est pas un peu trop mauvais retard. Donc je n'ai pas fait de piscine à cette maison, mais vous pouvez en rajouter une parce que je l'ai remplacé par des jeux pour enfants. J'avais juste à enlever les jeux pour enfants et une piscine. Ça suffit amplement. Là je suis en train de sorte de. Je suis en train de créer une sorte de couloir en fait, avec voilà, des bandes, plein de petites choses.
voilà, avec plein de petites fleurs et de petites pierres. Donc je vous laisse regarder ça et je vous retrouve après l'avant de la maison. Step to a spot, hear how feel sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the mud we are exploded. I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. Ça y est, je vous retrouve pour l'avant de la maison. Donc, ce que je vais faire à l'avant de cette maison, au début ça a été très dur. Je vais faire il y a une sorte de route faite de pierres qui va mener à plusieurs endroits. Et ces routes de pierres, donc voilà, c'est comme une sorte de jardin, sauf qu'en fait vous avez des petites routes. Donc ça a été très dur à faire le jardin à l'avant parce que je ne savais tout simplement pas quoi mettre. C'était vraiment très très compliqué. Et au final je vais passer des arbres roses. Surnaturel tout ça, quand même je sais pas si ça existe en vrai un arbre rose, mais voilà, c'est assez joli. Donc au final je vais mettre ça. Là vous voyez, en fait ce que vous voyez en ce moment même, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais parce que c'est en fait ça du tout au final, parce que voilà, et voilà, je fais une sorte de piscine, là, je sais même plus ce que je fais en fait de la merde, voilà. Donc c'est pas du tout à prendre en compte parce que vraiment c'est un peu n'importe quoi ce que je fais en fait. Et comme vous pouvez voir, puisque c'est fait sur mon ancien PC, ben en fait plus on s'éloigne du terrain, plus les arbres deviennent en fait dégueulasses, c'est un peu bizarre. Mais au cas où, si vous avez normalement un bon PC, je place de la clôture entre tout autour de la maison. Et après, je vais même ça, là aussi, voyez, vous voyez, c'est assez compliqué. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Donc là, je n'ai pas grand chose à commenter en fait. Donc je vous laisse regarder tout ça. Que je fasse quelque chose dont on va dire un peu potable. Voilà, on se retrouve juste après. Ça y est, je vous retrouve. Donc là en fait je vais enfin voilà commencer à faire, on va dire, quelque chose de beau. Voilà, enfin normalement, parce que normalement si le reste vous a plu jusqu'à présent, je vais en fait placer voilà des sortes de petits carrés. Dans ces carrés je vais mettre un grand arbre ainsi que plein de petites fleurs, et autour en fait entre les chemins je vais placer des plantes et des fleurs. Voilà, donc, ça permet d'occuper l'espace parce que je ne savais tout simplement pas quoi mettre. Et voilà, je vous laisse regarder, on va dire, tout ça. Donc voilà, je passe tous ces types de fleurs. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que si un jour, quand j'ai le temps, j'aille sur The Sims Ressources et je fasse... on va dire, un choix de fleurs, parce qu'en fait, les fleurs dans les Sims 4, dès que tu les as utilisées, on va dire, maximum 5-6 fois d'affilée dans un même terrain, ça devient vite saoulant parce qu'il n'y en a tout simplement pas assez. Ils en ont pas mis assez, je trouve. Même si, alors, il y en a peu, mais elles sont très très belles. Mais il n'y en a vraiment pas assez à mon goût, ce qui est quand même assez dommage. Donc comme vous pouvez voir, je place comment ça s'appelle, je place le chemin en caillou. Je délimite bien, voilà, pour que ce soit bien propre. Il y a un endroit où j'aurais oublié en fait de placer un petit peu des trucs, ce qui fait que c'est un petit peu le bordel. Donc là ouais, voilà, je fais une dernière petite tirigage avant après de commencer à mettre voilà. Là je mets un sapin parce que j'avais pas envie de placer un second arbre rose, donc je mets un sapin. Et après voilà, je vais mettre plein de fleurs et de pierres. Donc au cas où si vous êtes si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez en enlever, hein, y a pas de problème. Par exemple, vous pouvez remplacer tout ça par une très très grande piscine. Ça peut être une bonne idée par exemple. Je laisse regarder ça et je vous retrouve juste après. I am the world I see.
choices we have made, the paths we will take, the measures put in place, all that be erased. You may have all the riches in the world. Voilà, je vous retrouve. Donc comme vous pouvez voir, plus que tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit en fait tout à l'heure. Je place des pierres, super. Vous verrez que j'ai mis au total plus de 300 pierres. Voilà, comme vous voyez ici, sur ce magnifique terrain, j'ai placé, je crois, une cinquantaine de pierres pour aller juste à l'entrée de la maison. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc là, en fait, j'ai voulu placer une piscine, sauf que j'ai vu en fait qu'au final, ça n'allait pas, parce que je vais faire une sorte de piscine rose. Dites-moi en commentaire si vous savez comment on peint les murs de la piscine et si on peut les peindre, parce que si on peut pas les peindre, voilà, je suis un peu mongol. Mais si on peut les peindre, dites-moi comment on fait en commentaire, ça peut être pas mal. Parce que honnêtement, là j'étais un petit peu embêté. Donc voilà, là oui, je suis en train de faire une piscine, mais au final je vais l'enlever et je vais en fait la remplacer par un jeu pour enfants. Et là en fait voilà, ce petit espace que je vais faire maintenant, donc ça va être la terrasse. Parce qu'en fait vous avez eu le petit point zen de méditation, on peut appeler ça comme ça. Et vous avez ensuite le coin, voilà, terrasse, même si j'ai pas mis, j'ai mis en fait une table de pique-nique, je trouve. Voilà, j'ai une table de pique-nique, vous pourrez la changer si vous souhaitez, même moi j'aurais pas envie d'avoir mis cette table là. Mais voilà, ça va être on va dire le coin de terrasse. Et comme vous pouvez voir au fond à gauche, j'ai mis des petits carrés de terre pour que vous puissiez cultiver vos légumes et vos fruits. Comme ça, voilà, ça donne encore plus cet esprit, on va dire, bio des temples japonais. Donc là aussi, voilà, je passe plein de petites fleurs pour faire une belle petite délimitation entre l'entrée de la maison, le chemin d'entrée de la maison et la terrasse. Vous voyez vraiment, on est vraiment bien entouré de fleurs. Donc, et au final, le résultat final est quand même assez joli. C'est très très beau, voilà, c'est très sain, tout ça. C'est vraiment très très joli. Je vais ensuite après placer des petites décorations de jardin comme des lutins, des petits flamants roses et compagnie. Voilà, c'est pour décorer tout ça. Et après, à droite du terrain, je vais ensuite mettre des jeux pour enfants. Et d'autres espaces pour cultiver vos légumes et vos fruits. Donc là, comme vous pouvez voir, je place des décorations de jardin, donc des petits lutins. Ces lutins, je les trouve quand même super mignons. Ils sont vraiment super jolis en fait. Ils sont mignons, quoi. C'est joli. Ensuite, je vais passer là, à droite de la maison. Donc je vais mettre des sacs. Ouais, je vais mettre des arbres, on va dire voilà, je vais mettre des arbres, je vais mettre encore des fleurs, je vais mettre des jouets pour enfants et un coin équipé des objectifs pour la communauté. Là, je suis en train de placer voilà le coin noir en fait, voilà, avec la terre, ça va être voilà votre coin cultivé. Donc je pense qu'il est quand même assez grand, enfin vous pouvez encore l'agrandir en supprimant par exemple vos enfants ou en agrandissant voilà en largeur, comme on dit, je vais utiliser les maths. Voilà, je place ensuite voilà plein de plantes, voilà. Par contre des plantes banales parce que je ne sais pas. Et après je vais passer voilà quelques petits arbres et ça sera tout pour le jardin. Monsieur, il ne faut pas oublier de filer dans le lancer. Je fais ensuite les derniers petits détails de la maison. Donc, j'ai fini de mettre les quelques plantes qui restent à mettre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la création d'un temple zen. Comme vous pouvez voir, le toit qui est en forme courbée. Donc là, voilà, je vous fais défiler les photos. Donc avec le jardin, le petit coin de méditation,
la terrasse, le coin jeu pour les enfants, le tout à Willow Creek, alors sur le plus grand terrain du jeu, je crois. Voilà, je vous fais défiler toutes les photos. J'espère que cette maison, elle vous plaît, qu'elle est jolie. N'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire, comme ça je pourrais m'améliorer dans mes créations. C'est vraiment super important. Donc voilà la photo du petit coin zen méditation que je trouve tout simplement magnifique. Dites-moi votre avis là aussi en commentaire sur cette petite idée d'avoir fait ce petit carré de terrain pour comme coin de méditation. Nous passons ensuite à l'intérieur de la maison avec le hall d'entrée, le salon, je vous montre sous différents angles. Ensuite, nous allons passer à la salle à manger. Voilà, au moment où j'ai pris les photos, il y avait des gens. Donc voilà pourquoi il y a deux petites assiettes. Comme vous pouvez voir, il y a un petit bonhomme. La cuisine, avec toutes ces magnifiques petites fleurs. Le salon salle à manger, vue d'ensemble. La chambre faite plus ado, jeune adulte. Qui, bon, n'est pas trop dans le style du thème, mais que je trouve quand même assez joli. La salle de bain. Voilà, là aussi différents angles. Donc vous voyez bien à quoi ça ressemble avec tous ces petits accessoires. Et pour finir, la dernière chambre, la chambre japonaise avec le lit japonais, les petits canapés, etc. qui vont bien. Et je crois que ça sera tout. Et voilà en fait, en gros, la chambre japonaise vue d'ensemble. Et au final, la maison vue d'ensemble. Voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours laisser un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. Retrouvez cette maison sur la galerie avec mon originalité 2043. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et merci d'avoir regardé. Allez, salut.